Eh bien salut tout le monde, c'est Sapé, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Sape2 avec un replay de l'event encore une fois de Bonta vs Vrakmar. Donc je parle un petit peu avant de lancer le bail puisque il faut mettre un petit peu le contexte sur l'épreuve, parce qu'en gros on est sur la troisième épreuve, et là on a Bonta qui ont 10 personnes, Vrakmar qui ont 10 personnes, enfin par équipe, et dans chaque équipe t'as 3 bûcherons, donc les bûcherons ils sont là, bon bah ils coupent du bois et ils ont pas de stuff. Et après t'as 7 autres personnes qui sont là pour en gros faire des aggros sauvages, tu sais du PVP un peu à l'époque. Aggro, tu peux faire du 2v1, je sais pas, tu peux faire du 5v2 si tu veux. Tu peux agresser ce que tu veux, bref, t'es libre. Et voilà, j'explique un peu le concept de l'épreuve, parce que vous allez voir, c'est un peu particulier. Et donc là, on va avoir un combat assez marrant. Je crois qu'on est contre Sofiane. Bon, je pense qu'il joue pas beaucoup à Dofus. Et Humility. Il y aura même, je sais plus qui c'est qu'il y a dans le combat en bûcheron. Vous allez voir Skyheart, je crois. Donc voilà, c'est un petit combat de PVP comme ça qui est assez marrant. Bon, clairement, si je rappelle, c'est un event fun. C'est pour rigoler. C'est chill. Et puis même. J'explique en gros dans l'épreuve dure 40 minutes. Et là, en gros, ce qui est bien dans ce combat, c'est que quoi qu'il arrive en termes de résultats, je leur fais perdre du temps. Puisque bah ils ont 3 personnes sur moi. Et bah moi, je suis tout seul, tu vois. Enfin, bref, je vais vous laisser avec le vocal du moment du combat. J'expliquais juste rapidement pour comprendre un petit peu pour ceux qui n'avaient pas suivi l'event. C'est quoi l'avantage là? Genre, je fais exprès de pas faire prêt, c'est ça? Ok, ils sont à deux. Mais là, c'est rentable que je fasse durer, non? Parce que lui, il a du bois. Là, on est d'accord, c'est rentable que je prenne en otage son roblard, on est d'accord ou pas, les gars? Imaginons, même si je gagne pas, même si je gagne pas, si je ferai en otage, c'est bien, non? Ok, bon, ça va, je peux faire durer, gros, je vais faire des tours de map. Eh, si ça joue pas le gameplay, ça joue l'anti-jeu, eh, moi, je suis là, y a pas de souci. Il joue Fekas Ram, c'est les pires classes pour moi, pour Ezo. Je vais pas passer invisible maintenant, on s'en fout, hein. Si le but c'est de prendre en otage, je vais prendre en otage, frérot. Gros, je joue à League of Legends, prendre en otage des gens, je sais faire. Hein. Mettre non au vote 15, je sais faire. Y a pas de souci. Alors, ça dit quoi dans le chat? Fait durer, la map est bien. Ah ouais, je vais faire durer, hein. On est d'accord, il a du bois, le frérot. Ah, moi, ça m'a streamhack. Moi, je vais faire ça, y a pas de souci. Ah ouais, je suis sympa, je fais un réseau. Je pourrais faire plus. En vrai, si je veux vraiment tryhard, je peux même split le double et me fausse quoi faire ça. On va vraiment tryhard, même pas réseau. Il a grave du bois. Bon, ça va, c'est worse alors. Alors, ça dit quoi sur les réseaux? Et n'hésitez pas à venir me follow @sapeux hein, sur les réseaux sociaux. Il y a des tweets une fois par an. Perso, je préfère faire des vrais combats, mais gros, ça me fait des strats de fou comme ça. Mais une rack, non mais je peux pas mettre une rack tour 1. Je la mettrai après, bonne idée. Ah lui il joue vite hein. Attends mais on sait qu'il est là non? Ils ont de la chance, j'ai un stuff full dégâts, j'ai aucune raise. Il est là-bas lui, ok. Il essaye de me bloquer, il fait quoi? Il a fait un barrage de gilet jaune avec son roblard, il m'a pris pour un con ou quoi là? Merde, ça a poussé dans le mur, bon c'est pas grave. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Bon, j'aurais pu faire mieux niveau blocage, mais. Bah là c'est pas du PvP PVP les gars, là c'est vraiment une aggro histoire de casser les couilles aux gens, hein, c'est réel. Je vais quand même swap mon double là-bas, ça peut être sympa. Genre d'un peu les autres ce qu'ils font. Il y a un endroit où je peux avoir le score peut-être sur Twitch? Gros on a le temps, hein, on a le temps, on est là, on est ensemble les gars, on est bien. Je vais aller voir Twitch le stream. Là, si vous me dites que ce que je fais est utile, moi Bonta ça me et va. surtout Bonta et... Si vous me dites que ce que je fais actuellement est utile, ça me va, je suis content. Alors, est-ce qu'on gagne ou pas du coup? Il est Pour plus l'instant, on très a l'air d'être pas mal, c'est bien, c'est bien. C'est utile, t'en bloques 3. Ah bah parfait, parfait. Vas-y, tape mon double, frérot. J'ai un sort qui s'appelle Fosse Commune, hein, t'inquiète. J'hésite à swap avec le double. Ah non, mais il est trop près de mon double, je vais rester là. Eh, c'est la meilleure map du PAF, je suis trop content.
Je peux faire durer encore un moment, j'ai toujours pas claqué la vie. Je pourrais régène, ça c'est pas trop grave, il s'est toujours pas protégé en plus. Si tu tues le bûcheron. Ah, si je tue que le bûcheron, il perd le bois? Ah, mais ça fait. Si. S'il fallait juste tuer le bûcheron pour gagner le truc du bois, moi j'aurais focusé le bûcheron, j'aurais pu. Hein. Après, moi, vous me dites, si même si je perds. En gros, même si je perds, mais que je fais perdre du temps, c'est rentable, et moi je suis content. Moi ça me va, moi ça me va. Ok, c'est le train. Voilà, rassurez-moi, c'est bien. Ah mais c'est clairement des Big Brother au stage là. Big Brother au stage. Si Humility part vers le bas, je vais rigoler. J'aimerais bien qu'il parte là-bas, ça me mettrait bien. Il serait fait J-baited comme Jaja. Ah, je pense qu'il va me spotted. En vrai, il peut limite me tuer s'il me spotted. En vrai, tu sais qu'en vrai, j'aurais pu mettre un mode full raise. Aucun dégât. Jamais je meurs. Attends, Humility se fait J-baited. Regarde, full J-baited. Full J-baited. Je suis parti de l'autre côté, le cous. Oh non, continue vers le bas. Non, dégage. Oh, c'est bon, il m'a pas encore eu. S'il me trouve maintenant, ça va, j'ai encore un tour d'invie. Ça va. Peut-être que la vraie strat de OTP SRAM, là, c'est de ne mettre aucun spell. Je vous apprends les trucs. Quand vous n'êtes pas repéré, vous mettez aucun spell. Les mecs, c'est pas où vous êtes. On va juste full J-baited en boucle. On met pas de spell. Si vous mettez un spell, il voit votre silhouette, il sait que vous êtes là. Après, je retourne après avec les autres en vocal, parce que bon, là... J'explique un peu les strats. Oh merde, j'ai pas ce tour trop vite. Ah, c'est pas grave, j'ai pas ce tour un peu vite. J'ai pas ce tour un peu vite, mais c'est fine. Putain, j'ai pas coup sur noix, j'aurais pu le mettre dedans. J'ai un peu la haine, je t'avoue. Et j'ai pas de double non plus. Mais si je tue le roublard, ça fait un truc ou pas? Je sais pas trop si ça fait un truc. Ah merde, j'ai pas le chakra encore, ça fait chier ça. Vu que j'ai pas le chakra, faut que je fasse un coup de baguette immunologie, ce sera mieux. Là, j'ai pas la maîtrise d'armes dans ma barre. Je pensais que j'avais le chakra, mais c'est pas très grave. Bon, ils vont clairement gagner, mais je leur fais perdre du temps, c'est fine. Tu sais qu'en vrai, j'aurais pu gagner en jouant un peu mieux, mais j'avais pas le chakra ce tour. Bah, en vrai, j'avais pas le chakra anyway, c'était pas ouf. Ah, tu voulais que je libérais plus pour faire durer? Ah, mais il repasse invisible maintenant, bah c'est fine. Humility s'est fait full J-baited. Humility m'a mis bien là. Là, je suis en bas nébuleux prochain tour, je vais pas pouvoir faire trop durer là. Mais voilà, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que si je tue le roblard, c'est utile ou pas? Parce que si je tue le roblard, moi je le tue, c'est fini. Après, je sais pas si j'ai les dégâts là. En bas nébuleux, j'ai pas trop de PM. Ah, il recule, ok. Donc c'est... Ouais, si je... Mais ça, je connais même pas toutes les règles, moi. S'il recule, c'est que je... Faut que je le tue, je pense. Bon, bah, s'il faut tenter de le tuer, on va faire ça. Faut que j'arrive à tenir ce tour-là, c'est pas sûr que j'y arrive. Pourquoi j'ai pas de dégâts sur la prévisu, c'est bugué, non? Y'a aucune raison que j'ai pas de dégâts, là. Ah, y'a eu trêve, d'accord, j'avais pas vu la trêve. Après c'est chill, même si je gagne pas, je fais perdre du temps à bûcheron. C'est-à-dire qu'il peut pas me taper non plus, en vrai c'est pas la fin du monde. Bon, en vrai je suis sympa, je passe mes tours, hein. J'aurais pu faire plus durer.
Oh, j'avais pas vu qu'il avait trêve, hein. Je t'avoue, on voit jamais ce spell. Bon là du coup il tape sur trêve, je m'en fous. Mais la trêve elle est mid bien pour moi, non? Enfin, en vrai. Ah, je t'avoue que c'est pas trop... Normalement je fais pas trop des trucs de faire durer, mais... Mais si je le tue que... Mais tu vois, j'avais pas tout capté ces règles là, mais on va voir si tu pourrais peut-être le tuer là. Ah mais si j'arrive à avoir l'invisibilité, je peux les clutch de toute façon. Je vais essayer de le tuer, C'est cool, Sofiane doit s'amuser, il joue pas trop Dofus. Ah non, c'est Skyheart, ça va. Skyheart, il joue pas trop Dofus. Il est là, il est pris en otage. Il faut lui montrer ce que c'est Dofus. Une petite prise d'otage à l'ancienne là. Une bonne prise d'otage à l'ancienne là. Mad Skyheart, mad. Problème TF. Oh le gamin, il lui a dit de faire un roblabot. Après c'est pas grave, je le tuerai quand même. C'est pas grave, je le tue quand même. Ouah, les mécaniques roblabot un peu boomer là. Fallait le faire dans l'autre sens garçon, mais c'est fine. Le pauvre il joue pas trop à Dofus. Ouais, je crois que je suis mort quand même. Putain, si j'arrive à rejouer un tour là, tu sais que je peux legit gagner premier degré le combat si je rejoue. Parce que même si je suis à l'HP en fait, j'ai ça. J'ai l'invi et avec l'invi je peux les clutch facile. Mais là, je sais pas, y'en a, ils me disent si je le tuais juste les bûcherons, c'était bien genre. J'arrive pas toi à capter les règles, mais c'est pas grave, moi je m'amuse bien. Moi je m'amuse bien, c'est fine. J'allais voir un peu le Discord ce que ça dit. T'as quoi descendre depuis tout à l'heure, pas plus. Mais c'est quelqu'un du staff qui nous suit en permanence. Ça, vous faites le taf ou pas, les gars? Y'a Sora. Attention, y'a un mec juste au-dessus, cours. J'ai vu, je suis en full sprint là. T'inquiète. Ça a l'air de bien se passer, ça va. Ça va, ça a l'air de bien se passer. Je vais rester focus sur mon combat quand même. T'as dommage que j'ai pas le haut nébuleux là. J'arrive à sustain 1 vie, tour 9. Je one shot le SRAM, 1v1 contre Fekka. En fait, il faudrait même one shot le Fekka, je pense qu'il est plus problématique. Ça va, t'as pas trop couru, Umi, ça. T'as fait ça, t'es revenu, t'amuses bien. Ah, il commence à se protéger un peu quand même, il a un peu peur. Hein. Ah, sauce commune un coup là. Moi, je m'abuse bien, hein. Je suis là, petite prise d'otage en direct. Je vais aller voir les scores un peu où ça en est. On va aller là. Je vais aller voir le score rapidement. Est-ce qu'on gagne ou pas? Ce combat-là, le combat de sapeux toujours. Et on a l'air de gagner, c'est bien les gars. J'ai l'impression que ma prise d'otage est utile, moi ça me va. Donc là, pour ceux qui savent pas, j'ai mis fausse commune pour pas swap avec mon dos parce que j'ai double qui swap de place. Et comme ça, tu vois, j'ai le choix. Je peux décider de soit rester vers le bas en étant à vie, soit de pas mettre l'étape pesanteur avec fausse commune et du coup, je prends la place là-bas. Bon là du coup je le fais pas parce qu'il y a le Fekka qui est à côté tu vois. Passe pas, ok les gars. Ah je crois qu'il va y avoir un tour 9 qui va tomber sur le SRAM. Ah non peut-être un répulsif qui peut me gêner. Ce serait bien qu'il déclenche le répulsif avec son double. Ok parfait. Là on peut setup un tour déjà. Scélérat, dérive là. Ah non, le dérive me gêne. On peut dérive peut-être par là plutôt. En fait, il a mis un répulsif qui peut me gêner. C'est juste ça le problème. Ce qui serait pas forcément très grave. Hein. Il a pas de bastion, il a pas de bouclier féca, il a pas de rempart. Après, ce qu'il faut se dire, les gars, c'est que si j'arrive à faire un. J'ai le chakra ou pas? Ouais, j'ai le chakra. Si je prends une zone chakra, j'ai de la sustain aussi, c'est pas mal. Du vol de vie. Je vais régène un peu parce que là, je suis un peu dans la merde. On est bien. Regardez, on gagne. C'est cool, je suis content. La team fait du bon taf. Bah alors, Umi, on passe pas? Ah, il y avait un vrai pull là. C'est un peu chiant, honnêtement. Ça me fait avancer beaucoup, hein.
Ah, il va me trouver, je pense. S'il me trouve pas maintenant, il y a un clutch potentiel. Ah, je pense qu'il me trouve, il me tue. Allez. Ah, clutch potentiel est chaud, j'ai plus de CD après. J'ai pas de double, j'ai pas d'invi. Et j'ai un stuff qui a 0 res. Pour faire durer, ça va être difficile. C'est pas impossible, j'ai pas de fausse commune. J'ai pas de fausse commune, j'ai rien de... Faudrait que j'aille me... En plus, la map là est un peu plus bourbier de ce côté-là. En gros, je peux tenter ce genre de truc. J'ai la kawotte, c'est pas mal. Je suis un peu dans la merde. Après, il a plus trop de portée là. Une fois qu'il a fait Glyph Percept, il a plus trop de portée, honnêtement. Ouais, il a plus trop de portée, ça c'est bien pour moi. Là, on va essayer de setup un tour 13. On va essayer de setup un tour 13. On va essayer de se boost extorsion un peu. En fait, tour 13, il aura plus que le. Ah, il aura Bastion, c'est un peu chiant. Il a combien de points de vie? 3000. Ok. Après, je suis pas invi avant longtemps là quand même. Est-ce que je fausse commune maintenant? Bon, on va essayer de faire ça. Là, je suis sur une bonne case qui est bien là. Et là, on va faire l'état pesanteur. Après, en vrai, le pesanteur est limite trop tôt peut-être. Hein. C'est pas insane l'état pesanteur maintenant, mais en fait, ce que je vais essayer de le regibaiter de x2, c'est que il y a moyen qu'il ait un peu 3 de QI et qu'il vienne par là. Et après, j'ai le double qui swap de place. Ah, désolé, j'aime pas ne pas passer tour. Ah, il va carrément péter le double. Ouais, c'est fine. Là, j'ai un problème. Si j'ai pas la fausse commune dans deux tours, j'aurais pas dû fausse commune maintenant. C'est ah, bah ça va. S'ils font sur moi, ça me va. S'ils me font sur moi, ça me va. Oh, je swap là. Je repasse samedi prochain. Après, limite, s'ils tuent mon double, je suis content, quoi. Ah, bah. Merci pour les PH. Allez, moins 1250, il faut prendre des screens mad bon temps.